Okay, ladies and gentlemen, well, the CEV Moto3 Championship, round three, the first round ever outside Spain, and probably appropriate that it's at Le Mans in France because we have a French winner. Fabulous ride by Fabio Quartararo, riding for the junior team for the Estrella Galicia team, of course. Congratulations to him. In second place, riding for the RBA racing team, the KTM team, we have Gabriel Rodrigo, and an old friend of ours we've seen before in third place, Hiroki Ono, riding for Honda Team Asia on that TSR Honda. So we'll try a bit in English and see how we get on. First of all, congratulations anyway, to win in France, fantastic. English? If you can. Yes, I am very happy. I make a good start and just... you're doing good. You carry on. That's good. Yeah. And yes, well, and the Finland of the race, I am a lot of... A lot of places in front. At the second time. Yes, I'm very happy. To win... Yeah, well done. To win in France, you know, at Le Mans. Right. Unbelievable for you. English? ¿Puedo hacer en español? Sí, estoy muy contento de ganar en Francia y bueno, es ha hecho una buena carrera, ha hecho también una buena salida y desde el principio ha hecho todo lo que podría y al final ha sido muy bien. Y ahora en francés ahora también, ya que has ganado aquí en casa. Ben voilà, j'ai fait un très bon départ et dès le début j'ai pu mettre un très bon rythme et à la fin j'ai vu que j'avais un petit peu d'avance et j'ai réussi à venir, c'est en avance et je suis vraiment content. Thank you so much. Welcome. Second position for Gabriel Rodrigo. Gabriel, how was the race? Gabriel, how was the race and which was the strategy today here in Le Mans? I'm very happy with the second position, but I have a touch with Fabio at the beginning and I lose he and Maria, but the race was good and I pushed hard to can finish in second position. Thank you so much, Gabriel. Thank you. Third position for and third position for Japanese Hiroki Ono. What a great race today, and I think happy with the podium today here in Le Mans. Yeah. First time with podium, I'm happy this result. My bike after qualify change setting better than qualify. No? This is third position. I'm happy. Thank you so much, Hiroki. Thank you very much. Do we have questions from the floor, please? Here. Fabio, c'était ta première grande course en France. Quand est-ce pour la dernière fois où tu as gagné en France, où tu as couru en France, c'était où et quand? Ben, c'était ici au Mans, il y a 8 ans. Et c'était quoi? C'était une course de... Une course de 50 cm cubes. D'accord. C'est donc quand même extraordinaire. Première course importante en France, tu la gagnes. Pourtant, tout le monde t'attendait. Il y avait de la pression. En plus, la course a été interrompue. Tu avais pris le meilleur départ. C'était un peu moins facile au deuxième départ. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, tout ça? Ben déjà j'avais beaucoup de pression au début et après la seconde course encore plus et j'ai réussi à faire un très bon départ à la deuxième et j'ai réussi à faire le trou directement. Tu as tout de suite vu que Marie était tombée ou c'est toi qui l'as poussé à la faute en faisant un premier tour canon? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ben je savais même pas que Marie allait être tombée et voilà, j'ai vu que sur le panneau il y avait déjà 2,5 secondes d'avance au premier tour et je savais que je pouvais maintenir ce rythme. Deux petites questions déjà. Ce qui est impressionnant, c'est malgré ton jeune âge, ta capacité effectivement à gérer cet écart tout au long de la course. Tu avais à peu près 5 secondes d'écart. Ça n'a pas dû être évident malgré tout de te caler. Est-ce que tu t'es calé sur le rythme de tes adversaires? Comment on reste concentré? On sait que parfois, à vouloir trop gérer, on se déconcentre et on fait des erreurs. Ben non, j'ai bien réussi à contrôler le tableau et
je suis vraiment content, même si j'avais un petit peu de pression jusqu'à la fin. Et voilà. Avec la chute de ta coéquipière, tu as maintenant 24 points d'avance au championnat. Un petit mot aussi sur cette très belle opération aujourd'hui. J'ai fait une très belle opération, mais bon, c'est le but, c'est pas qu'elle tombe, mais c'est qu'elle fait des bons résultats. Et voilà, j'ai réussi à. J'ai 24 points d'avance et je suis vraiment content. Merci. Fabio, rendez-vous dans un an au même endroit avec encore une victoire ou faut pas rêver? On va essayer, mais il faut pas rêver. You three are not Spanish. How do you think this? Perdona. Los otros dos. How tú también puedes contestar, ¿eh? How do you think this Spanish championship with races out of Spain can help other riders to arrive to the world championship? Yo creo que es un muy buen campeonato y creo que es uno de los mejores para llegar al campeonato del mundo. Sorry. Okay. Would you like a picture with all? Anybody else? En castellano. Bueno, creo que el CEB es como ya hemos demostrado que rodamos muy rápido y que luego cuando vamos al mundial también estamos relativamente delante, así que seguro que es el campeonato la antesala al mundial. Next year, challenge World Championship. Okay. Everybody happy? Thank you very much. Could you stand? Would you like a picture of all three? Come here, looking at the air. That'd be fine. There you go, with the cups and everything. Thank you all very much. Thanks for speaking English, because you will when you're in Grand Prix and you already made the first step. Thank you. Congratulations.